j'avais fait des Termination de l'histoire. Après ça se dégrade rapidement parce qu'on est fatigué. Mais voilà. Voilà. Et c'est bien d'avoir ces rendez-vous. Mesdames et messieurs, chairement du cercle, nous vous souhaitons bienvenue dans ce petit déjeuner, débat encore une fois, pour parler des sujets communs entre la France et la Turquie. Il y en a beaucoup. Il y a des sujets internationaux qui sont très importants, très chauds, la capitale internationale. Est très vivant, dans un changement, dans une vélocité de changement remarquable. On a des sujets comme la sécurité, le G20, les finances, l'avenir de l'Europe, les changements climatiques. Mais aujourd'hui, ce matin, nous allons pour une fois nous focaliser sur les relations bilatérales entre la France et la Turquie. Et nous avons immédiatement commencé ce petit déjeuner convivial et j'espère bien productif, en laissant la parole à Elisabeth Lipou, qui est présidente de la Commission des Affaires étrangères de l'Assemblée nationale, qui nous a fait l'amitié d'accepter notre invitation dans un emploi du temps un peu compliqué, d'autant qu'aujourd'hui, ça ne vous a pas échappé pour ceux qui suivent les médias et la presse. Oui, parce que vous savez que je suis très profondément convaincue que nous avons beaucoup de choses en commun et que nous avons beaucoup d'incidences directes sur les relations franco-turques, l'ancienneté de cette relation, la grande stabilité de la Turquie elle-même, tout succéder et garantissait cette gouvernance. Il y a eu une première alerte en 2004, on va dire, avec la modification de la Constitution française soumettant à référendum tout nouveau projet d'élargissement pour les pays qui n'avaient pas déjà entamé des négociations d'adhésion, ce qui excluait la Croatie. Évidemment, et tous les observateurs avertis ont compris, visait explicitement les négociations. Cette position, bien sûr, était très largement inspirée par des motivations de politique intérieure. Qu'en politique, je ne peux pas dire non plus que les motivations de politique intérieure n'aient pas joué, mais enfin, précédent. Je pense qu'il y a trois changements majeurs. Je trouve aujourd'hui le pouvoir en France est animé d'un état d'esprit différent. Pas être héritier de telle ou telle culture, encore moins de telle ou telle héritage. C'est adhérer à des valeurs universelles, c'est-à-dire ce qu'exprime le préambule. La Turquie a fait les frais d'une cousine, mais plutôt c'est la présidence de M. Chirac. Depuis cette présidence, en effet, de plus en plus, de façon progressive, c'est une union extraordinairement frileuse. Avec l'élection de François Hollande, on l'a vu dès le début, amplement. Mais au moins, au sommet de l'État, nous avons un président, il y a eu le cas des prédécesseurs, mais il y a eu des pratiques intergouvernementales et privilégiant systématiquement la contrat, et ceci pourrait être discuté, puisqu'il y a dans cette salle des représentants de l'opposition actuelle et de l'ancienne majorité, mais en tout cas. Et vous connaissez ma position sur ces lois. Je l'ai exprimé ici même. À de multiples reprises, je me suis donc réjouie de la décision du Conseil constitutionnel. Alors, il reste un dossier majeur. Quels sont ces problèmes internes? Pour moi, c'est une question de calendrier, une question de timing. Vous l'avez compris, et j'espère que nous pouvons avancer en 2013. Et l'Allemagne et l'Autriche bloquent le chapitre sur la libre circulation des travailleurs. Les relations entre la Turquie et la Chypre se sont d'ailleurs encore détériorées depuis l'été 2011. Depuis 5 ans, que je considère la tâche difficile, mais jamais impossible, et pas irréversible, parce qu'en politique, jamais rien n'est irréversible, au contraire. Nous avons donc toute une série de chantiers devant nous à construire. On dit souvent qu'il y a une politique bilatérale, qu'elle soit européenne, et les éléments de l'État gagné ou bilatéral, tout
ça a créé quand même un nouveau climat, je ne sais pas si elle avancera. Cette année a un rôle extrêmement important dans les processus de rapprochement turco-européen, turco-français, dans des conditions parfois difficiles. Sans plus attendre, je lui laisse donc la parole. Directement entrer dans le sujet, je pense qu'il y a deux hypothèses qui se pèsent sur les relations entre la Turquie et la France. Et la première est la question arménienne, la deuxième le processus d'adhésion de la Turquie à l'Union européenne. En ce qui concerne la question arménienne, il y avait un espoir en Turquie après les élections présidentielles, mais surtout après la décision du Conseil constitutionnel qui avait déclaré que la loi de Mme Boyer était inconstitutionnelle. Cet espoir a maintenant commencé de dissiper un petit peu, surtout après que les nouvelles ont paru dans la presse turque et la presse française. Je pense qu'il va partir vous aussi un petit peu avant, je vous laisse avec plaisir, bien sûr, sans être bref. Tout ce qui se passe depuis des années entre la France et la Turquie est malheureux. Les relations entre la France et la Turquie sont extrêmement anciennes, je n'apprends aucun d'entre vous. Depuis François Ier, Soliman le Magnifique, quelques exceptions, mais globalement, la politique extérieure française, les liens entre la France et la Turquie, la passion des Français pour la culture turque, la passion des Turcs pour la culture française, c'est un socle. Et je déplore que des dirigeants de diverses sortes aient joué avec cette tradition qui poignait de droite et de gauche à saisir le Conseil constitutionnel pour faire censurer ce texte, qui est en effet totalement contraire à notre Constitution. Et je n'imagine pas une seconde que l'on puisse présenter à nouveau un tel texte. Ce serait tourner le dos à la décision qui a été prise par le Conseil constitutionnel. Donc, et comme je sais que nous sommes dirigés par des personnalités de bonne foi, respectueuse du droit, je n'ai aucun doute. Je pense qu'à l'interrogation que vous exposez à l'instant, la réponse est claire. Il n'y aura pas d'autres textes. Elisabeth Guigou elle-même nous indique qu'elle est informée d'aucun projet de ce type. Néanmoins, si je peux me permettre, chaque peuple, France, l'Allemagne, la Turquie, les autres, chaque peuple a toujours du mal à regarder son histoire en face. C'est très douloureux et très difficile. Nous-mêmes, en France, avons beaucoup de mal à regarder les répressions coloniales, les guerres coloniales et le reste. Je suis, en ma qualité de docteur honoris causa de l'Université Bilgi, j'ai proposé, nous avons fait deux, trois choses, qu'il y ait un comité d'historiens, de scientifiques, c'est le travail des historiens et des scientifiques arméniens et turcs pour réfléchir, discuter et approfondir. Il y a eu à l'évidence des massacres. Peut-on les qualifier comme ils l'ont été? Ce sont des questions sur lesquelles je pense que les historiens, les scientifiques ont leur mot à dire. Et ce ne sont pas les parlements qui peuvent se transformer en cour suprême de l'histoire. Sur ce point, je peux vous le dire, je le sens, je n'ai pas de certitude. Je pense que cette question, qui était liée en vérité à des considérations électorales ou électoralistes, pour une bonne part, cette question, moi je la considère comme close, à condition que, de bonne foi de part et d'autre, on puisse mettre sur la table les informations historiques que l'on peut détenir sur ce sujet. Sur l'Union européenne, nous avons pris un engagement, je crois d'ailleurs que Elisabeth Guigou était ministre des Affaires européennes à ce moment-là, je crois, en tout cas, et il a continué d'ouvrir la négociation avec la Turquie. Pacta sunt servanda. Les engagements doivent être tenus. Et l'engagement de mener de bonne foi, c'est une autre règle du droit international, pardon, de mener de bonne foi une négociation fait partie de notre droit international. Petite chose concernant la politique arménienne. Sans aucun doute, il y a eu un génocide en 1915, je n'ai aucun problème à le reconnaître.
Sans aucun doute aussi, la Turquie a un effort à faire sur elle-même qui n'est pas achevé. Il est quand même exact que les commissions d'historiens auxquelles que nous a invoqué Jacques Lang ont été proposées à plusieurs reprises du côté turc, sans pour autant avoir de réponse. Et il est évident aussi que si cette question doit être mise sur la table, je pense que la méthode juste, c'est celle qui a prévalu en Afrique du Sud, la commission Vérité et Réconciliation, dans laquelle évidemment chacun apporte ses griefs, et il est dit, avec l'approximation que représente une procédure de ce genre, la vérité aux uns et aux autres. Et bien entendu, comme Mustafa Kemal qui haïssait envers Pacha Djemal, ce traître qui voulait vendre Istanbul aux Anglais, et Talat, a déjà écrit en 1918 que c'était la page la plus noire de l'histoire militaire turque, je ne pense pas qu'on puisse être en deçà de ce qu'a pu dire le Gazi dans une période où pourtant la nation turque combattait pour sa survie. Il n'avait pas la France à ses côtés. Donc, je pense que tout ça doit avancer. Mais si on parle de l'Arménie, on ne peut pas arrêter le problème arménien de 1915. Aujourd'hui, l'aéroport d'Erevan connaît un balai permanent d'avions chargés d'armes et qui se dirige, bien entendu, vers la Syrie de Bachar Assad. Que l'Arménie soit une alliée indéfectible du régime Assad peut parfaitement s'expliquer, et je n'ai pas l'intention de leur point. De pointer du doigt. Mais dans cette affaire, l'Arménie n'est pas du côté des droits de l'homme, l'Arménie n'est pas du côté de la liberté du peuple. Plus largement, la politique arménienne, depuis la fin de l'Union soviétique, est une politique qui, en Géorgie, en Azerbaïdjan, s'est dirigée vers des actes brutaux et unilatéraux. Les Dashnak, c'est-à-dire le parti nationaliste arménien dans la diaspora, qui soutient une mise en accusation de la Turquie, va à l'encontre aujourd'hui de la bonne volonté turque. Il va à l'encontre de tous ceux qui, en Turquie, ont envie de tourner cette page, et de tourner cette page avec un examen de conscience que Jacques Lang nous a appelé à juste titre. Moi, je crois que quand même, si on doit mettre tout sur la table, il faut aussi parler de ce qu'est cette politique arménienne qui a commencé dès la fin de l'Union soviétique, quand l'Assala se livrait à des actes terroristes inouïs par rapport à l'histoire passée, avec l'appui direct des services secrets soviétiques, ou plutôt de cette partie-là qui s'opposait à la détente, puisque des hommes comme Aliyev, Andropov, y étaient, je ne dirais pas notoirement, mais on peut le raconter, totalement hostiles. Bref, si on doit parler de tout, eh bien parlons de tout. On a responsabilité de l'évaluation du processus d'adhésion et du processus et du partenariat entre l'Union européenne et la Turquie. Si on regarde l'agenda institutionnel, il y a pas plus de 10 jours, le président Van Rompuy disait que les négociations sont en point mort, ce que personne ne peut contester. Nous sommes à 7 ans, ce sera le 4 octobre, anniversaire de l'ouverture des négociations. La Commission s'apprête à présenter le 10 octobre, habituellement, j'allais dire, son rapport dit de progrès qui va être, chacun le comprend, du point de vue de l'évaluation de la situation en Turquie, très critique et à juste titre. Et de la France et les autres blocages, c'est que les autres blocages sont conditionnels, c'est-à-dire si la Turquie, n'est-ce pas, fait sa promesse. Mais, alors, sauf que ça, qu'est-ce que s'est changé depuis qu'il a été élu? C'est un soulagement, c'est très important pour la psychologie des Turcs. Le ton a changé, également. Donc, voilà, c'est notre grand souci d'ici les années à venir de franchir des pas pour enlever cet obstacle. Je me réjouis et à quel point je pense qu'il est nécessaire de la soutenir et de la conforter. Alors, en quoi exactement consiste cette nouvelle orientation?